Bonjour, nous sommes vendredi, il fait un temps dégueulasse, j'ai un bouton au-dessus de la lèvre qui me fait bien mal. Tout va bien, voilà. Il pleut, il fait froid. Ce matin, quand j'ai réveillé Cali, je me suis dit il faut que je l'habille correctement, quoi. Donc je lui ai mis un pantalon long avec des baskets, un pull et un trench. Tout va bien. Voilà, donc on se croirait presque en octobre, quoi. C'est n'importe quoi ce temps. On a 2 jours de beau et on a 2 jours de dégueu. Voilà, si c'est pas plus que 2 jours de dégueu d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Aujourd'hui, pas mal de choses à faire puisque comme d'habitude, la boutique doit avancer. Aujourd'hui, je me décide enfin sur le nom des tissus. Et d'ailleurs, je vous ai demandé votre aide sur Instagram. Donc à l'heure où je vous parle, il n'y aura plus besoin d'aide puisque les noms seront déjà choisis. Mais voilà, en fait, l'idée c'est que sur Instagram, j'ai mis des photos des différents tissus pour vous demander quel nom irait bien en fait. Et après, je ferai un sondage sur 2 propositions. Et voilà, et ça va le faire. En tout cas, j'ai déjà vu les réponses et il y a de trop trop bonnes idées. Franchement, vous me sauvez la vie parce que il y a des trucs, c'était assez simple pour moi de dire bah ça va s'appeler comme ça. Mais il y a des choses que j'aurais pas du tout pensé. Donc c'est top. Voilà, c'est ça que j'aime, le partage. Sinon, Aria est actuellement dans sa chambre en train de faire son petit dodo du matin. Elle a passé une très très bonne nuit. Les deux filles ont passé une très très bonne nuit. Et maman aussi, puisque maman est allée se coucher à 9h30. Voilà, je me suis couchée à 9h30 et je me suis endormie à 9h33. Non mais franchement, j'avais vraiment besoin de dormir. Donc voilà, je crois que j'entends Aria, donc je vais monter. Et puis voilà, et sinon, vous le voyez le sac rose là? J'ai oublié de l'amener à la nounou. Alors ça va, il n'y a rien d'important dedans. Mais j'arrive chez la nounou et je dis mince le sac! En fait, j'avais Cali d'un côté et Aria dans le cosy et j'ai complètement zappé. Alors ça va, il y a juste une tenue de rechange, donc je vais croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de pipi dans le pantalon aujourd'hui. Et voilà, ça va le faire, on y croit. Allez, let's go. Je vais me mettre à l'ordinateur pour bosser parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot, on lâche rien. Bon, je suis actuellement en train de manger. Je prends 10 minutes parce que ça fuse là. Je vais y arriver. Je me suis fait une petite salade d'endives avec des noix et du comté. Et je me suis fait revenir un petit peu de crevettes là. J'avais acheté des crevettes congelées. Elles sont un petit peu aromatisées. Je sais pas trop, persillade ou provençale. J'ai une tronche, mon Dieu, je fais peur. Donc j'ai fait revenir ça dans une poêle et puis voilà, ça sera très très bien, assez rapide. En fait, à midi, j'aurais dû faire une recette croquilo et j'ai ouvert le frigo et en fait, il me manque plein de trucs pour la faire. Donc bah c'est pas bien grave. Je me suis arrangée avec ce que j'avais dans le frigo et puis clairement, je n'allais pas courir à faire des courses. Donc voilà, salade d'endives avec des petites crevettes et ça ira très très bien. Mademoiselle Aria a mangé et elle a fait une bonne sieste ce matin, donc tout va bien. Hein, ma chérie ? Elle nous regarde de plus en plus, elle fait des grands sourires et tout, c'est trop agréable. Elle a grandi en peu de temps, là c'est... Où est le bouton stop? Bon allez, je mange et après j'ai du boulot, encore. Alors, je suis en train de zioter tout ce qui est bavoir. Alors l'idée, je suis en train de tout répertorier là sur mon petit cahier entre les noms qu'on va donner, etc. etc. J'ai tout noté parce qu'il y a pas mal de choses à retenir, donc il faut que je note tout, sinon je vais oublier plein de choses. Alors là, vous avez, parce que ça c'est une question qui revient souvent, combien il y aura de formats? Alors, si je ne me trompe pas, donc il va avoir, je vais vous expliquer un petit peu, il va avoir les bandanas. Donc les bandanas, c'est un petit peu plus rectangle. En fait, moi j'utilise les bandanas quand... Enfin, j'utilisais les bandanas quand Cali faisait ses dents. C'est-à-dire que quand un enfant fait ses dents, un bébé, ça bave beaucoup. Alors, c'est souvent en lien avec les dents, mais c'est pas toujours ça, en fait. Ils nous disent que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à avaler leur salive. Enfin, bref. Peu importe pourquoi il y a beaucoup de salive, l'enfant bave beaucoup et c'est pour éviter de mouiller tous les cols de t-shirt, vous savez, là, sous le cou, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça macère, c'est pas très bon, il y a des rougeurs, après ça fait des plaies, etc., etc. Donc l'idée, c'est de mettre un bandana. Donc il y aura les bandanas qui sont un petit peu plus triangles. Là, je peux pas vous montrer parce que j'en ai pas actuellement, ils sont tous en haut. Bref, il y aura également les bavoirs. Donc ça, c'est des bavoirs. Alors, je sais pas si ça, j'appelle ça des bavoirs ou des bavettes.
Je pense que bavette, c'est plus adapté puisque c'est plus petit. Et bavoir, ça sera plus grand. Donc, ça, c'est les bavettes qui sont un petit peu plus petits, qui, je pense, vont jusqu'à 2 ans à peu près de l'enfant, puisque là, Cali, elle va sur ses 2 ans en septembre et il y a encore la marge, puisque vous voyez, il y a une pression. Et l'idée, c'est que là, le coup, je mettrai bien entendu toutes les dimensions là au niveau des centimètres, hein, comme ça sera beaucoup plus simple sur le site. Et donc, ça, c'est les bavettes. Et les bavoirs sont carrément plus grands. Donc, je vais vous montrer à peu près le patron. Bon, en sachant que là, c'est un carton. Hein. Je fais moi-même mes patrons. Hein, donc, voilà. Et c'est toujours plus droit. Il faudrait que je le refasse d'ailleurs dans du papier spécial patron. Et donc, l'idée, c'est que le bavoir est un petit peu plus grand. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un petit peu carrément même plus grand, puisque c'est pour des enfants plus grands que 2 ans. Et en fait, au niveau du bavoir, ça se ferme en haut, donc ici, et je mets un élastique. Comme ça va à plusieurs tailles. Vous voyez ce que je veux dire? L'élastique, il est extensible, donc c'est beaucoup plus simple que des pressions. Voilà, donc il y aura ces trois modèles différents, en sachant qu'il y a trois utilisations. Alors, il y a deux utilisations différentes pour moi. Le bavoir et la bavette, c'est pour manger. Et le bandana, c'est vraiment en touche pour pas que le t-shirt soit trempé. Voilà. Vous changez le bandana en milieu de journée et c'est très très bien. Et en plus, le bandana, avec les motifs que je vais mettre, c'est assez sympa à mettre pour accorder avec la tenue et tout. Donc, voilà pour ça. Les prénoms, enfin les noms des différents bavoirs et des différents tissus se décide aujourd'hui sur Instagram, mais je vous referai un récap cet après-midi, enfin ce soir plutôt, ça sera beaucoup plus simple. Voilà pour tout ça. Ah, et accessoirement, il faut que je refasse des barrettes. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois que je vous ai montré les barrettes, en fait, bah, je me suis fait dépouiller par ma voisine. Voilà, donc j'en avais fait 15, je crois. Il m'en reste 3. Donc demain ou après-demain, il faut que je refasse des petites barrettes pour les prendre en photo. Voilà, je les adore ces petites barrettes nœuds là. Je les trouve très très sympathiques. Bon, j'ai toujours la même tête, mais j'ai une tête. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Tu te marres toi? C'est parce que maman elle a une drôle de tête. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais tu te marres. Tu te moques de moi. Elle est pas belle ma tête? Elle est pas belle ma tête? Où? Non mais attendez, il faut que je la filme quand je lui parle parce que c'est trop drôle. Aria? Mais alors regarde la caméra en fait. Aria? Elle est pas belle ma tête? Fais voir la sucette. Elle est pas belle ma tête? Elle se fout de moi! Tu commences tôt hein, à te moquer de ta maman. Bref, on est parti. Je vais passer jusqu'à Action. Enfin, je vais aller jusqu'à Action. Il faut que j'achète absolument, absolument des caisses de rangement pour dans mon atelier parce que, en fait, il y en a de partout. J'arrive pas à bien trier et il faut que ce soit tout bien rangé et tout. Sinon, je vais pas m'y retrouver et ça va pas le faire. Et faudrait bientôt qu'on aille à Ikea pour me faire des étagères, genre comme mes étagères, vous savez, pour mes chaussures. Je sais pas si je vous avais déjà montré mes étagères à chaussures, et là, voilà. Faut que je vois avec Doudou si on peut pas y aller la semaine prochaine. Faut que je vois. Faut que je vois. Faut que je vois. Je vais voir avec lui. On y va? Arrête de te moquer de ta maman. Non, non, non. C'est quoi ces sous? Mais elle se marre, mais c'est... Oh. Oh. Tu rigoles? Ouh. Coucou. Enlève la sucette. On enlève la sucette, fais voir. Coucou. Où t'as un poil là? Aria. Ouh. Fronce pas le sourcil, on dirait papa. Ah, on y va ma chérie? Arre. Arre. Ouh. Arre. J'adore. Des bonnes petites fraises. Bon, que je vous explique. L'enfant. Hello everybody. Monsieur Doudou est rentré. Buddy, buddy. C'est un clown cet enfant. Bon, on est allé à Action avec Aria. J'ai trouvé des guirlandes lumineuses.
tu peux m'amener une petite boîte. C'est histoire de mettre en dessous de la pergola, en fait. C'est Doudou qui a eu l'idée, qui m'en a parlé. Et ça, si ça tient la pluie. Même bah, si c'est fait en plastoc. Bah c'est fait exprès. Ouais, on verra, on verra. Bah c'est fait exprès extérieur quand même. Oui mais si on met les canisses. Les... Je sais jamais comment les ça s'appelle. Les brandes de bruyère. Les brandes de bruyère. Oui bref, donc j'ai acheté ça. Voilà, Doudou me dit on verra si ça tient la pluie. J'ai payé ça 2,49€, hein, donc en soi, j'ai pas... je me suis pas ruinée. C'est l'enfant qui fait du bruit avec un sac de course. Hé, hey, Demeco. T'es excitée, toi, hein. Tu sais que c'est le week-end. Hein. Donc voilà, j'en ai acheté pour mettre sous la pergola. Est-ce que je vais réussir à parler sans qu'il y ait du bruit? Donc voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un livre aussi pour Cali, pour lui apprendre des mots, ses premiers mots. Et après, on est rentré, on est allé chercher Calinette chez la nounou. Là, on est reparti. On avait prévu ça depuis un certain temps, d'aller manger dans notre restaurant. C'est le restaurant où on a fait notre mariage et où on y va très souvent. Et en fait, on n'avait pas fait les présentations avec Aria. Donc, c'est ce soir. On y va. Voilà, je vais vous montrer les guirlandes, là où je veux les mettre exactement. Et voilà, on a préparé le sac et tout. Normalement, on n'a rien oublié. Normalement. Ce soir, je vous montrerai tout ce que j'ai fait dans l'atelier, etc. Parce que j'ai pas eu vraiment le temps de vous filmer aujourd'hui. C'était un petit peu la course. Mais j'y suis arrivée. Voilà. Je vous montre la pergola où je veux mettre les choses. Donc en fait, l'idée, c'est d'en mettre comme ça là. Vous voyez, ça fasse un peu, c'est quoi, guinguette, le nom. Voilà, donc on verra si ça va, si ça va pas. C'est pas bien grave. Si ça va, c'est bien. Hein. Si ça va pas, c'est pas grave, on les gardera pour nous. Non mais cet enfant, qu'est-ce que tu fais? Je veux des boules de pizza. D'accord. C'est un sac, tu dis un sac? Oui, c'est des boules de bas. On va faire les courses? Oui. Oui. On y va? On va manger au restaurant? On va voir Olivier? Oui. Oui. Bon, je crois que Doudou m'attend. J'ai préparé un petit sac, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça dans la voiture, en sachant que c'est un sac qui sera bientôt en vente sur la boutique. Et ça, je suis trop contente. Donc, on est parti, let's go. Normalement, j'ai un oublié. Je suis un oublié. Tout va bien se passer. C'est la course. On va y arriver. Je vous montre ce que j'ai pris pour occuper Cali au resto, parce que vous êtes nombreuses à me demander comment on occupe Cali. Eh ben, je vous dis tout. Je vous dévoile tout. Alors, le sac se présente comme ça, mais pour ça, vous le verrez sur la boutique en temps voulu. Donc, à l'intérieur, parce qu'à chaque fois, on me demande qu'est-ce qu'on emmène à Cali pour l'occuper au resto. Alors, j'ai pris la petite tablette, parce que ça, elle aime bien jouer avec, ça fait du bruit. Et en plus, on peut régler le son, fort et un peu plus fort. Voilà. J'ai pris le... c'est quoi, tableau magique que ça s'appelle, ça? Tableau magique. Donc, voilà. Bon, ça prend un petit peu de place, mais bon, en même temps... voilà, hein, au moins ça occupe Cali, quoi. J'ai pris ensuite... alors, attendez, parce que j'arrive pas à me poser sur mes jambes, voilà. J'ai des trop petites cuisses. J'ai pris une pochette de gommettes. Bon, là, j'ai pris les animaux de la mer. Et j'ai pris, bien entendu, des feuilles blanches. Et j'ai pris également sa peinture, vous savez, propre, là. Avec, bien entendu, les crayons. Parce que si on n'a pas les crayons, c'est la catastrophe. Voilà, puisque il n'y a que ces crayons qui fonctionnent sur le petit carnet, là. Tout ça, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc pour la peinture propre que j'ai trouvé sur Amazon, mais je vous mets le lien en barre d'infos. Les gommettes, pareil, ça vient de Amazon. Et Amazon, c'est quand je suis énervée contre Amazon, mais en ce moment ça va bien avec Amazon. Et le tableau magique, je crois que c'est Amazon aussi. Ouais, on l'avait acheté pour la naissance de Cali. Et ça, c'est le nouveau petit livre que j'ai trouvé aujourd'hui à Action. Les 1000 premiers mots. Voilà, donc en fait, c'est... attendez que je vous montre. Voilà, c'est pour apprendre les mots, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on est à l'aéroport de Lyon. Je sais pas si vous voyez la lumière dans le ciel là, mais c'est un avion qui atterrit. Cali, elle arrêtait pas de réclamer les avions depuis tout à l'heure, donc on vient Cali voir les avions. On met là-dessus. Et on a sorti le petit plaid. Bon, là, vous ne voyez rien du tout. Il fait encore jour, hein, pourtant, mais la caméra, pas top. Voilà, il y a un plaid rouge. Les avions, ils décollent du mauvais... enfin, ils décollent du bon côté pour nous et ils atterrissent du mauvais côté. Mais enfin, on voit un des deux, quoi, donc c'est déjà pas mal. Non, tu donnes pas à ta sœur le bout de bois. Elle en veut pas. T'es très gentille. Oui. Regarde, il y a un avion là-bas qui atterrit. Bon, il y en a trois qui sont en train d'atterrir et il y en a un qui va décoller, là.
Il est ici, là. Regarde, Cali. Regarde. L'avion, ouais. Bon, je suis actuellement pas dans l'atelier, dans le garage. Ça y est, les noms des différents bavoirs ont été décidés. Donc, ce petit bavoir marinière s'appellera Petit Matelot. Voilà, donc c'est votre choix. Hein. Puisque vous voyez là, je suis sur Instagram. Et en fait, il y avait Moussaillon à 35% et Petit Matelot à 65%. Celui-ci, que je ne me trompe pas, Les Sushis, qui a été fortement apprécié, s'appellera Chou. Chi. Je vais y arriver, j'ai du mal à prononcer. Ensuite, celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est Fleur de Cerisier. Non, Sakura. Voilà. Hop. Celui-ci, c'est Origami, ça je m'en rappelle très très bien. Celui-ci, c'est Tropical, je crois. Bon, très simple. Hein. Love Tropical. Voilà, celui-ci il a été fortement apprécié et je suis ravie. Ça a été très très serré. Hein. Pasticool et Petit Pépin. Donc celui-ci, ça sera Pasticool. Voilà. Celui-ci, je crois que c'est Pool Party. Alors, ça, c'était entre Plouf et Pool Party. Et en fait, j'ai une abonnée qui m'a envoyé genre Plouf Party. Et je trouve pas mal l'idée Plouf Party. Donc, je vais peut-être mettre Plouf Party. Je ne sais pas. En tout cas, ça sera ou Pool Party ou Plouf Party. Ensuite, les flamants roses, que je ne me trompe pas, c'est Flamingo. Bon, ben, ça, très, très simple. Ça, c'est Flower Power. Les petites glaces, là, c'est... C'est Tutti Frutti. Bon, ça lui va bien. Les pastèques. Alors ça, je n'arrive pas à me décider parce que c'est Osso Fresh ou pastèque. Il y a 50-50. Donc voilà. Là, j'ai besoin de vous. Vous, la team YouTube, j'ai besoin de vous. So Fresh ou pastèque. Écrit comme ceci. À vous de me dire. Celui-ci, c'est Liane. Celui-ci, c'est Pandi Panda. Celui-ci, c'est Renours. Alors, c'était ou Renours ou Gr. C'est Renours. Je trouve que ça va bien, le petit nom Renours. Et celui-ci, c'est Libellule, mais avec deux B. Pour faire bébé, comme les créas de bébé, voilà. Donc voilà pour les petits noms des petits bavoirs. Je suis ravie. Il y a un truc qui est tombé derrière le frigo. On adore. Pardon, Doudou. Oups. Bon, je viens de sortir de la douche. Ça m'a fait trop du bien. Le bouton là, on en parle ou pas? Il me fait super mal. Bon, par contre, je pense que je vais mettre de l'homéoplasmine pour cette nuit parce que en fait, il faudrait. J'hésitais entre l'homéoplasmine et le dentifrice parce que le dentifrice ça sèche et l'homéoplasmine ça permet de cicatriser. Je pense que je vais mettre de l'homéoplasmine. En tout cas, il est vraiment dégueu. Franchement, il me fait super mal. Enfin bref, Dame Nature va débarquer et voilà, quelle salope. Bref, bon allez, je vais aller au dodo. J'ai trop hâte là d'être mardi, qu'on me pose enfin la dent en fait de... Attendez, elle est le côté, je suis con moi. Là, parce que vous voyez, ça fait un trou. J'ai hâte que ce soit tout en place et tout bien, parce que là, dès que je souris, ça se voit en fait. Ça se voit. Voilà, il y a un trou et c'est pas... C'est un, voilà. Les joies de l'anneau gastrique et de tout ça. On adore. Bref, allez, je vais me mettre en pyjama et je vais aller au dodo. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. Demain, c'est le week-end. On a une livraison prévue assez tôt. En fait, elle est prévue entre 8 et midi. Mais je pense qu'ils vont passer tôt, on verra bien. Donc voilà, à mon avis, on va être levé tôt, mais c'est pas grave. Et normalement, il fait beau. Mais ça, je dis bien normalement parce que ça change tellement rapidement en ce moment que on verra bien. Voilà. Allez, à demain. Bisous.